La question de Jonathan. Alors, qu'est-ce qu'on doit répondre à des jeunes qui sont élevés dans des écoles juives, dans des milieux traditionnalistes, qui sont convaincus que Dieu existe, que la Torah c'est la vraie Torah, que notre peuple c'est le peuple élu, mais à côté qui disent la teshuvah ça fait réparer toutes nos fautes, ça transforme nos averot en mitzvot quand on fait teshuvah. Donc qu'est-ce qui nous empêche de faire teshuvah? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas teshuvah plus tard quand on va se marier? Tu vois, on profite de l'année de jeunesse, on rêve, on s'amuse, etc. Et plus tard, on fera teshuvah. Réponse. Que dit la Gemara? Non, c'est Maserat Yoma. C'est marqué, et comme ça explique le Rambam, c'est marqué dans le Rambam, 24 choses qui empêchent de faire teshuvah. À la fin, il dit, ça n'empêche pas complètement. Quelqu'un qui, là, vraiment, il va se défoncer, il va casser tous les écrans qu'on lui a mis. On lui a mis des écrans d'acier trempé pour pas qu'il fasse teshuvah. On l'empêche. Si vraiment il va, toutes ses forces, il peut. Ça veut dire que c'est, à prime abord, extrêmement difficile de faire teshuvah. Parmi ces 24 choses, c'est marqué, celui qui dit, Erta ve'achouf. Je vais pécher. Après, je fais teshuvah. Si vraiment il fait teshuvah après, ça marche. Mais c'est quoi teshuvah? C'est pas, j'arrive à l'âge de 26 ans, ok, maintenant on a rigolé, on a fait les 400 coups, j'arrête, maintenant je me marie et tout ira bien. Ça, c'est pas faire teshuvah. Ça, c'est arrêter de faire l'idiot. C'est pas faire teshuvah. Teshuvah, c'est regretter ce qu'on a fait. Pourquoi la teshuvah, elle transforme la personne? Elle dit, hier j'étais un rachat, maintenant je suis chéri, aimé de Dieu. Il y avait sur toi des xéros très durs. Ça a été effacé. Pourquoi? Parce que tu n'es plus le même. Donc si quelqu'un a fait des avérotes, et puis il a arrêté de faire des avérotes, est-ce que c'est plus le même? C'est le même. C'est le même qui faisait des avérotes, et c'est le même qui a arrêté de faire des avérotes, c'est le même. Qu'est-ce qui fait que tu changes? Le regret. Le regret, c'est quoi? C'est, je ne suis plus le même. Je regrette ce que j'ai été. C'est, allez, vas-y, si seulement j'aurais pu ne pas être celui qui a fait ces bêtises-là. Quand tu as le regret profond, sincère, que Dieu doit voir, que qu'est-ce que j'ai été crétin, comment c'est affreux ce que j'ai fait, et je regrette, et j'en pleure, et c'est terminé, ça, mais c'est terminé. Je veux pas qu'il y ait ça dans ma vie. Oh, ok, alors moi je vais dans ton sens. Alors ce que tu veux pas être, tu l'as jamais été. Et si c'est fait par amour, c'est même changé en mérite. C'est pas dans tous les cas, c'est une chose par amour. D'un côté, on dit aussi qu'il y a des péchés qui sont très graves et qu'on peut pas. C'est une autre question, ça. D'abord, ces gens-là, qui sont dans les écoles juives comme du traditionnaliste, et puis un pied là, ils font la gmara, puis le soir, ils vont en boîte. C'est des gens très, 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 très. Très miskinim. Pourquoi? Parce qu'ils sont religieux par habitude. Par conviction générale, familiale, par ambiance, on va dire. Ambiance juive. Mais la flamme intérieure, elle est morte. Il est sec. Prends un bas de chouba. Il commence à faire Shabbat. Tout coup, il sent, c'est extraordinaire. Une brillance. Une lumière. Il prend un temps et il commence à étudier. Il reste des heures. Des heures à baragouine un peu dans Rashi, et des heures à comprendre. Alors que ces pauvres types, miskenim, ils savent très bien que Frankmar, Babakama, 10 pages par cœur, ta 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 ta. Et le soir, ils vont en boîte, ça veut dire que c'est rien, c'est irrécupérable. Fais-lui goûter maintenant le bon de la Torah, il dit je connais. Bois sec. Parce qu'il n'y a pas de bois. Et tu plantes, et ça vient de pousser. C'est un bois vivant, ça n'avait rien. C'est un bois vivant, mais un bois sec. Résurrection des morts, il faut leur faire, ces gens-là. Résurrection des morts. Et tu sais comment? Au séminaire, c'est passionnant à voir ça. Parce que tu fais le même discours à tout le monde. T'as les gens qui sont loin, ils voient ça, émerveillés. La vérité, je tiens la vérité, j'ai gagné tout, j'ai gagné le gros lot. L'autre moitié du séminaire, c'est des gens qui connaissent, mais ils ne pratiquent pas, et moitié-moitié, enfin cool, traditionnaliste. Mais ils connaissent tout par cœur, ils savent très bien que c'est la vérité, machin. Mais... Alors, le côté beau, vrai, nouveau, c'est pas nouveau pour eux, ils savent bien que c'est la vérité, et puis c'est pas nouveau.
Quel est le seul moyen de les toucher? Dans l'aspect, je montre deux aspects. L'aspect beau et l'aspect si on ne fait pas, c'est dangereux aussi. C'est dangereux. Alors eux, ils disent, mais c'est terrible. Si je ne le fais pas, donc vraiment, il y a un danger terrible. Ils voient le bâton. Alors que je parle à peine du bâton. J'en parle aussi un peu. Il y a des gens qui sont allergiques parce que la beauté ne les attire plus. Qu'est-ce qui peut les attirer? Un gosse lui expliquerait maintenant, t'es maths parce que c'est intelligent, c'est bien pour toi, il faut que tu saches faire un peu de maths, sinon tu seras un ignare toute sa vie. Il comprend, il fait parce qu'il a compris, c'est intelligent. Il dit non, je veux le foot. Tu leur expliques 3-4 fois, il veut le foot. Il a compris, il a très bien compris. Papa, je sais que les maths c'est important, parce que sinon demain je serai un ignare. Je veux le foot. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois ma main? Fais tes maths et que ça saute. Le langage de la carotte, être intelligent, il n'a pas compris. Oh, il faut le langage idiot. La gifle. Le même discours que je dis à un public, ceux qui ne sont pas habitués à la lumière de la Torah, ils sont émerveillés. Ceux qui sont des blasés, des morts, ils voient que la menace des coups. Le même message est dit aux gens, et chacun, au niveau de où il est, il réagit différemment. Donc ces gens-là, c'est très dur de les réveiller. Ils réagissent maintenant. Il y en a qui réagissent. On réagit son coup, mais c'est pas... Et qu'est-ce que Dieu fait très souvent, hein, dans leur vie à eux? Une bonne tuile, une bonne tarte. Et il ne comprend pas. Et là, ils recommencent des fois à se mettre au boulot. Sinon, pourquoi? Quelqu'un qui sent Torah, il cherche un sens à sa vie, tout ça. Il ne connaît pas la Torah. Il voit, il a trouvé. Quelqu'un, toute sa vie, il a vécu dans la Torah, la Gemara, machin, tout ça. Les prières, réciter mot à mot, tu comprends? Pendant des années, tu lis les mêmes mots, sans comprendre ce que tu dis, sans kikinant, tu rêvasses. Tu fais ta amida. Deux minutes dix. T'as jamais prié de ta vie. Prier à Dieu, t'as prié, c'est parce que c'est prié. Même Yom Kippour, tu ne pries pas. Tu lis, tu attends qu'on finisse. Tu lis. C'est une chose de plus crétin que de lire un livre des heures. C'est absurde. C'est appétissant, d'accord? Alors quelqu'un qui comprend que c'est ça la Torah, il trouve Dieu plus ou moins bête. Alors où il est vraiment bête et il continue comme ça? Ou un beau jour, lui, ses enfants intelligents, écoute, ok, faire l'idiot, ça va. Je suis au 21e siècle, je ne suis pas idiot, j'arrête de faire l'idiot. Alors, tant qu'il est encore retenu, il reste encore le mérite des parents et l'ambiance familiale, alors il continue à faire l'idiot. Mais au bout d'un moment, lui ou ses enfants, après ses enfants, terminé. Et c'est ça la réponse à leur donner. À ces gens qui sont un pied là, un pied là. C'est la chose que je répète à tous les séminaires. Comme je racontais hier. J'ai dit que normalement, aujourd'hui, d'après une courbe démographique, vu qu'il y a 2000 ans, on était, après les historiens, on était 8% de la population mondiale. Aujourd'hui, en prorata, on aurait dû être 480 millions. Sur 6 milliards, 8%, c'est 480 millions. Nous sommes combien? Admettons 15 millions. Donc il manque 465 millions. Où sont-ils passés? Alors faisons, on va commencer à faire des soustractions. 6 millions, tu es dans la Shoah. Donc fait combien? 359. Encore 1 million, je te donne l'Inquisition, les Croisés, Chmelnitsky, c'est beaucoup moins. Ça nous fait 358 millions. Je donne encore 100 millions en cadeau. Tous ceux qui ont été massacrés et les enfants qu'ils auraient pu avoir et qu'ils n'ont pas eu. Et c'est beaucoup, beaucoup moins que 100 millions. Je suis gentil avec toi, je donne encore 100 millions en cadeau. Il reste qu'il te manque 250 millions. Où sont-ils passés? Hein? On aurait dû être aujourd'hui, c'est quoi, 250 millions? C'est 4 fois la France. Il y aurait l'Amérique, la Russie, la Chine, l'Israël. Puissance mondiale. Avec l'armée israélienne, on aurait été les vainqueurs de tout. Ils sont passés où? Messieurs? Assimilés. Maintenant, comment on s'assimile? Il y a deux façons, la façon rare et la façon habituelle. Façon rare, tu es à la Shiva, tu étudies, tu vas boire un café dans la kitchenette,
Et en buvant le café, tu observes dans la rue Natacha, Ingrid ou Christine, dépendant de quel pays tu habites. Elle a les cheveux blonds. Et les Juifs, quand ils voient des cheveux blonds, déjà, ils perdent le nord. Elle te fait « Hello !»« Wow !»« Ok !»« Bye !»« Zip !» Assimilé. C'est rare. Quelqu'un à la yeshiva, à étudier. Ouais, Ingrid, il dit « Ferme les yeux, regarde pas !» Il y a moi, il y a eux, on est différents. Méthode habituelle. Comme vos familles, messieurs, vos familles, nos familles, l'arrière-grand-père, vos familles, nos familles. Combien est-ce qu'il y a si quelqu'un chez qui dans la famille, tout le monde, sont mariés que entre juifs? La proche famille, c'est-à-dire, je parle cousin, oncle, tante, tout ça. Tout le monde. Marié ou pas marié, fréquentation, concubinage. Il n'y a pas de concubinage avec Christine. Fréquente pas les goyotes. Que les juifs ou les juives. Personne. Chez tout le monde, il y a ce malheur. Ok. Prenons maintenant l'arrière-grand-père. Est-ce qu'il y a parmi vous ici quelqu'un dont l'arrière-grand-père était non religieux? Imagine, il vient d'où? D'où tu viens? Maroc. Maroc, arrière-grand-père, il y a un siècle, tout le monde est religieux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment on arrive du hyper-religieux, en un siècle, à Christine? C'est très simple. Arrière-grand-père, il quitte le Maroc, la Pologne ou l'Algérie, la Tunisie, et il va en France. Et puis, c'est un truc que je répète à tous les séminaires, je vais le répéter ici aussi. Un beau jour, il veut à la synagogue Shabbat. Et il a un problème, il est enrhumé. Première phase du rhume, où ça coule toutes les 3 secondes, pic, toutes les 10 secondes. Mouchoir nécessaire, sans mouchoir, bon. Les rabbins ont dit, c'est pas comme ça au Maroc, mais ici les rabbins ont dit qu'on ne peut pas aller à l'extérieur Shabbat avec un mouchoir. La raison profonde, c'est qu'au Maroc, il y avait une muraille qui entourait la ville, et à Paris, il n'y en a pas, ni à Marseille. Mais lui, c'est pas ça. Et il dit, moi, je suis sympa, au Maroc, il y a les grands rabbins, ils portaient dans la rue, là, pourquoi ici pas? Là, bon, on dit. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais sans mouchoir à la synagogue? Je parle quand même ici sur la Manche. Je ne sais pas. À la synagogue. Bon, je sans mouchoir. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, ouh, t'as Hachem, pic! Sur le Sidour. Mais Hachem Borar, pic, sur Sefer Torah. Ça la fout mal. Alors je rentre à la maison. Shabbat, Minyan, Kriyat Torah, prière, Moussaf, qu'est-ce que je fais? Dilemme. Laisse-moi réfléchir, ici. D'abord au Maroc, on portait. Ensuite, je ne pense pas que Moshe imagine dans ses pires cauchemars qu'on aboutirait un jour dans cette ville de pourri de Paris. Avec un temps de chien paré. La Torah t'est donnée au Mont Sinaï. Là-bas, c'est le soleil, c'est le désert, il n'y a pas de rhume, il n'y a que la belle vie sans cesse. Si Moshe avait su qu'on était ici, à Paris, dans un cas pareil, avec un rhume pareil, il me dit, écoute, sois intelligent, entre, rate la prière, à cause de prendre un mouchoir, c'est pas si grave, porte un mouchoir dans la rue. T'as pas allumé la lumière, t'as pas fumé, t'as rien fait. Porte un mouchoir dans la rue. Big deal. Et qui s'est perdu? C'est les rabbins qui ont inventé ça. Moshe, la Torah, c'est pas marqué, on n'a pas le droit de brancher un mouchard dans la rue. Il faut être intelligent. Ça va, adapter la Torah à son temps. Pas vite comme les crétins au 21e siècle. C'est le grand-père qui dit ça, donc c'est au 20e siècle. Bon. Et voici que le grand-père fait une petite entorse au règlement. Il met le mouchoir dans la poche. Et il sort comme ça à la synagogue. Mais à part ça, il fait tout. Super cachère. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, ils ont mis des mouchoirs. À l'époque, il n'y avait pas. Et sur la route, qu'est-ce qu'il fait? Il pense, il dit, pour la route. C'est un exemple que je donne. Bon, il se marie, il y a des enfants. Et chaque Shabbat, il va avec son fils, comme ça, il prend par la main, ils vont ensemble à la synagogue.
Il tient son fils par la main, tout quoi avec l'autre main, il sort le mouchoir et il s'essuie. Il dit, papa, tu portes un mouchoir Shabbat, mais le Rebbe Talmud Torah m'a dit qu'on n'a pas le droit. Je comprends, on peut ou on ne peut pas? Parce que papa, c'est l'exemple. Le père dit à son fils, écoute mon fils, c'est vrai que les rabbins disent que non, mais soyons intelligents. Dieu est intelligent, Moshe Rabbeinu aussi, il sait très bien que moi dans ce cas, je suis hormis chronique, sans ça, pique sur Sefer Torah, pique sur le sol de Sidour, et la Torah t'est donnée au Mont Sinaï, et nous au Maroc, on parle. Ça va, ça va, ça va. On est bon, je vais à quoi? J'ai tué personne, j'ai rien fait, il faut être intelligent. Je ne vais pas aller maintenant tâcher la synagogue de mes glaires nasales. Bon, le gosse comprend. Mais si on peut bluffer tout le monde, y compris soi-même, il y a un seul qu'on ne bluffe pas, c'est son gosse. Le gosse a très bien, à l'âge de 7 ans, il a très bien compris la leçon. Il y a des cas où la Torah, on peut l'adapter. C'est pas nec plus ultra et terminé absolu, on ne touche pas. Non, c'est kadosh, on aime la Torah, on a mis ça. Mais bon, il faut vivre avec son temps. Le gosse aussi, il va grandir, il va se marier. Et un beau jour, il va à la synagogue Shabbat. Et il pleut des cordes. Et il se dit, réfléchissons, si je sors maintenant par ce temps à la synagogue, j'arrive trempé, pneumonie, assuré. Or la Torah dit, Vishmartem me'od l'infotechem, vous garderez votre corps en bonne santé. Interdiction de se mettre en danger, de se mettre malade. Donc je reste à la maison. Mais Minyan, Sefer Torah, Moussaf, qu'est-ce que je fais? Eureka, la voiture. Ah, j'ai mon permis de conduire. Les rabbins disent que non. Mais les rabbins, ils ont rien compris. Moshe Rabbeinu connaissait la voiture, il ne connaissait pas. Shabbat, un jour de repos. Moshe, il me dit, écoute, arrête d'être crétin, tu ne vas pas aller à pied sous ce temps-là une demi-heure. Alors que c'est la voiture, c'est idiot. Tu es un bon juif, simplement tu es au XXe siècle, on va pas aller, on n'est pas dans le ghetto, on n'est plus dans le désert à marcher pieds nus, on est là-bas, on est au XXe siècle, on va la voiture, et voilà, Shabbat en voiture, c'est tout simple. Quel travail il y a là-dedans? Broum, et il part en voiture. Sur la route, il voit le rabbin qui va plus sous la pluie, il n'a encore rien compris, dans le ghetto. J'ai un son d'après, et je vous le fais en mastic. Pas beaucoup plus vite d'habitude. Qui douche? On fait. Chérie, baisse le son de la télévision, c'est le qui douche. Sa femme allume les bougies de Shabbat, sacro-saint, mais très souvent en hiver, après l'entrée de Shabbat, l'arrivée du boulot juste à la dernière seconde, on allume les bougies, mais après Shabbat. L'après-midi du Shabbat, on va faire le shopping. On voit les beaux-parents. Alors, qu'est-ce qu'on garde? L'essentiel, plus important de tout, les traditions culinaires. Maroc, daf. Tunisie, couscous boulette. Pologne, gefilte fish. Et puis, là, pour les Tunisiens aussi. Ça. Et les fêtes. On marque le coup. Pessah, Kippour, Shoshana. Chanukah, c'est pas trop difficile, on aime les bougies, pour nous on fait un peu la fête. Tchabéav, n'existe plus. Bar mitzvah, brit mila, mariage, enterrement. Et la Goya, on touche pas. Ou pas trop. Juste pour s'amuser. Voilà. Mais en été, on va toujours en Israël. Et là on se défoule, c'est tout des juifs. Alors où est là, tout Natania, on se défoule. Enfin, c'était un temps, aujourd'hui c'est la moitié des non-juifs, d'accord. Natacha, tout ça, Ashdod, beaucoup de Russes. Et à Nathania aussi. Blonde. Génération d'après, il est à la fac, il fait ses études, et Christine, au début pour s'amuser, et après, on s'amuse déjà trop. On est bien avec Christine. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Un beau jour, papa, maman, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Christine et moi, on va se marier. Elle perdait son fils. Mais je ne comprends pas mon fils. Mais enfin quoi? Quoi papa? Mais elle n'est pas juive. Enfin, je ne comprends pas quoi. C'est un singe. C'est Christine. Tu la connais. Je suis heureux avec elle. Pourquoi pas? Mais elle n'est pas juive mon fils. Mais et alors? Je ne comprends pas. Tout ce que maman fait, tu fais, elle fait aussi. Yom Kippour, j'avais la synagogue, elle a adoré. Solennelle. Elle m'a raconté, Sarah Achellea, elle était avec elle là-bas, dans la Azat Nashim, dans l'étage des femmes. Elle papotait.
Elle ne comprenait pas que c'est comment elle papote tellement, c'est tellement solennel. Elle a pris le sidour. C'est pas encore comment on lit à l'envers, à l'endroit. D'accord ? À l'envers, elle a pris. Mais c'est au moins de lire, au moins les caractères. C'est tellement beau. Pessar, toute la famille, c'est-à-dire elle est venue l'année dernière, elle a tellement aimé. La Brit Mila aux enfants de Goy et Christine, elle accepte de le faire. Israël, elle a adoré. Et Pkeila, elle fait mieux que maman. Ah, pourquoi pas ? Non, puis elle est blonde. Pas elle est blonde. Elle est facile. Sarah, là, j'ai essayé, des juives. Dure. Jamais contente. Elle est des juives. Alors, je suis heureux avec elle. Why? No. Pourquoi pas? Et qu'est-ce que tu repères? Qu'est-ce qu'il a comme argument à dire? Qu'est-ce que tu l'as vendu à ton fils? Du vide. Du vide habillé en religieux. Il n'y a aucun contenu. Il n'y a rien. Preuve en est que Christine peut faire ce que tu fais. Aussi bien que toi. La même chose, elle le fait. Ces gens-là, il faut leur dire ça. Tu es sur la descente. Un fait la moitié, ton fils sera la moitié de la moitié. Aujourd'hui, il y a un mouvement de tchouva. Mais pas tous sont tchouva. Combien par famille? 1, 2, 3. Il y a beaucoup plus de gens qui se marient avec Christine que de gens qui font tchouva. Maintenant, qui est responsable de la grande dégringolade? Qui est responsable? Pendant 3000 ans, ça a tenu la route. Pourquoi maintenant, en 3 générations, il n'y a plus rien? À cause de qui c'est? Hein? C'est la modernisation. Mais il y en a qui, malgré la modernisation, sont restés des bons juifs. Qui dans cette famille, c'est lui, à cause de lui, qu'on arrive à, on arrive à Christine? Le grand-père. Le grand-père, l'arrière-grand-père. Qui a dit, c'est pas grave un mouchoir. C'est vrai que c'est pas grave. Mais le principe, il est terrible. Parce que t'avais une Torah qui était d'origine divine. Dieu. Éternel. Qui n'est pas du tout à voir avec ce qui se passe ici sur Terre. Modernisation ou contingence temporelle. Parce que la Torah parle de l'âme. Pour l'âme, quand tu portes un mouchoir Shabbat, ça bousille. Pour l'âme, quand tu fréquentes Christine, ça bousille. Pour l'âme, quand tu ne manges pas cachère, ça bousille. Et l'âme reste l'âme, moderne ou pas, c'est l'âme. Et Dieu, Akadosh Baruch Hu, l'absolu, te dit, c'est ça, ça ne changera jamais, c'est éternel. Toi, tu viens et tu dis, je change. Le gosse, qu'est-ce qu'il comprend? C'est pas éternel, c'est pas absolu, c'est pas Dieu, c'est humain. Nous, on peut changer. Mon père, il a changé le mouchoir. Alors, Christine, c'est le même principe. Où est la différence entre un mouchoir et Christine? D'accord? Aucune différence. Aucune différence. C'est le même principe exactement. De, on faut adapter. La Torah est un mouvement entier. Moi, je viens de Genève. À Genève, il y a une communauté orthodoxe. Ils ont difficilement mignonne. Il y a une communauté libéral qui a commencé il y a 30-40 ans, il était 2-3. Ils sont 4-5 000 personnes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aucune communauté juive normale te reçoit avec la Goya. Eux, oui. Alors, que tu dises être Goy, je peux pas. Mais ma Goya la rend juive parce que, comme ça, oui, t'inventes une nouvelle religion. Et on ne connaît pas de petits-fils de réformistes, libéraux, juifs. On ne connaît pas. Quand tu es réformiste, c'est déjà... Tu es encore juif, mais ton fils, ton petit-fils, c'est terminé. Dans 99% des cas, moi je dis 100% des cas. À moi qui ai, je dis, aujourd'hui, il y a le Joker, c'est Tchouva. C'est un truc extraordinaire que Dieu fait depuis 30 ans, que des gens font Tchouva. Mais c'est un sur combien? De façon naturelle, normale. On n'est pas dans la montée, on est dans la descente. Si tu ne donnes pas à ton fils un contenu vrai, authentique, quelque chose que le gosse comprenne, il y a la vie, et puis il y a autre chose, il y a Dieu. Kadosh, qui kadosh, anéachem. Kadosh signifie différent, sacré. Sacré signifie, c'est hors des contingences du monde. Alors que Dieu te dit, écoute mon vieux, tu décides. Il y a moi, et il y a le monde. Tu dis à Dieu, écoute, ta Torah, j'aime beaucoup, je me sens très juif, mais c'est trop dur. Je vis avec mon monde. Je vis avec mon temps. Tu dis, oh, pas de problème, mais fais ce que tu veux.
Tu vis avec ton temps. Mais ton temps, il va passer. Et toi, tu vas passer avec ton temps. Tu vas crever avec ton temps. Tu vas crever en tant que juif. Ton temps va passer. Le temps, il passe. L'époque, elle passe. Eh bien, tu passes aussi. Parce que tu dis, moi, je ne veux pas être avec Dieu, Dieu l'Éternel. Moi, je veux être avec les gens d'aujourd'hui. De tout temps, être juif, c'est être anachronique. Avraham a ivri. Avraham, l'hébreu, dit Chazal. Tout le monde est ever. Ever signifie côté. Ivri, du côté. Le monde entier est d'un côté, et lui, il est de l'autre côté. Tu es toujours à contre-courant. Le juif, par définition, est à contre-courant. Il mange différemment, il s'habille différemment, il fait tout différent. Un zombie. Nous sommes des zombies. Celui qui dit, non, je veux être comme les autres, ok. Et les autres, ils vont passer. Il y a ce peuple éternel, c'est Am Israël. Toi, tu passeras avec eux. Fini, mon vieux. Et le peuple éternel ne fait plus partie d'eux. Toi, oui. Ton fils encore peut-être. Ton arrière-petit-fils. Non, non, non. Fini. Et nous sommes la preuve vivante de cela, que dans toutes nos familles, bien que la grand-père était hyper religieux, tu vois une déperdition. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, quelqu'un commence à faire un peu moins, l'autre encore un peu moins, et il faut la Christine, et pourquoi pas? Et ça qu'il faut expliquer aux gens, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas à long terme. Ça passe très vite, ça va très vite, très très vite. Tu ne veux pas donner à ton fils plus que ce que tu es. Il n'y a que moi. Le même principe, il continue, donc ça va dans la nullité. Si par contre tu dis à Dieu, ok, Dieu est mon temps, c'est très dur, mais je comprends. Entre mon temps et toi, je prends toi. Je me hisse au-dessus des contingences, au-dessus des obligations de ce temps. C'est dur de ne pas serrer la main aux femmes. Bonjour monsieur. Shalom. C'est dur, c'est très dur. Repas d'affaires. Je ne mange pas. Vous ne mangez pas? Ah, c'est intéressant, oui, pourquoi? Tu es toujours différent. Shabbat, à 4 heures, tu pars. Et pourquoi lui? Pourquoi pas? C'est extrêmement dur de faire, d'être juif. Ça a toujours été dur. En tant que Shabbat aussi facile. D'accord? Tu n'es pas en Russie, tu n'es pas sous régime nazi, tu n'es pas sous le bolchevisme, ni le communisme, ni sous l'inquisition. Ça n'a jamais été aussi facile de l'histoire. Mais nous, on est des générations du coton, d'accord? Dès qu'il y a un peu plus dur que le coton, du mastic, les gens s'éclavent comme une tomate sur un TGV. C'est pas quoi l'épreuve? C'est notre difficulté. Hein? C'est une difficulté d'avoir une persécution. Il y a 20 ans encore, des gens, pour étudier la Torah, risquaient 20 ans de Sibérie. Ils étudiaient la Torah. Ils allaient en Sibérie. Il y a 20 ans, absolument, il y a 20 ans. T'en as encore ici, beaucoup, les Russes? J'en connais, hein, c'est le voisin de mon Chavruta, mon ex-Chavruta. Il avait des tables grandes comme ça chez eux à la maison, avec une nappe. Et tous les enfants autour, Talmud Torah. Dès qu'on frappait à la porte, tous les enfants sautaient, rentraient sous la table. Étudier comme ça, avec la frousse du KGB chaque seconde. Et c'est 20 ans de Sibérie, et ça veut dire à 99% que tu crèves. Et écoute, c'est très gentil, Torah, laisse-moi vivre. Il faisait la Torah. Ben, il m'a dit, messieurs, Seder. Il est où le KGB? Il n'y a pas de KGB. Une femme pour aller au Migvé. Comment on faisait? Il y avait un Migvé dans toutes les villes, jamais de la vie. C'est 400 km en train. Et pas comme ça de prendre le train, parce qu'on ne peut pas passer de Russie, on ne peut pas passer de ville à ville. Il fallait écrire, le Mikvé, ils envoient une offre d'emploi. La dame, elle répond, je suis intéressé par votre offre d'emploi. Je viendrai en date du tel et tel. Elle va à la police, elle reçoit une autorisation d'aller voir l'offre d'emploi là-bas. Elle va, elle prend le train, elle trompe au Mikvé, elle revient. Aujourd'hui, c'est des bonnes femmes, c'est trop loin le Mikvé, c'est une demi-heure de route. C'est sale. Quoi, c'est ça? D'abord, c'est des bêtises, c'est propre. Et c'est chaud. Tu crois que les migvés, c'était chaud? Dans la glace, ils cassaient la glace et ils allaient. Je connais une dame ici, c'était une grand-mère de mes élèves. Elle est sourde. Parce qu'elle a trempé dans le migvé glacé. Je ne sais pas qu'il faut faire ça. Mais tu vois, la mission de Nefesh. Qu'est-ce qu'on est, nous? Du chocolat fondu.
Mais un maître, c'était ça pendant 3000 ans. C'est-à-dire qu'entre ce que dit le monde et Dieu, il n'y a pas de discussion, il y a Dieu. Et quand le gosse, il voit ça, il comprend. Comment le mouvement de tchouva du monde, il a commencé comment? La vérité, c'est Dieu qui a fait. Mais par quel biais? Il y a deux bons hommes qui ont fait tchouva pendant la guerre de 73. Un s'appelle Tzvi Inbal, physicien, et l'autre s'appelle Shalom Serbernick, candidat au prix chimie, au prix Nobel de chimie mondiale. Un jour, Shalom Serbernick, qui fait la queue, à l'époque, Baruch Hashem, il n'y avait qu'une seule boucherie qui vendait du porc en Israël. Aujourd'hui, hélas, il y en a des centaines. Il faisait la queue. Une seule boucherie, on fait la queue. Et il s'est rappelé son grand-père. Son grand-père est mort dans la Shoah. Comment il est mort dans la Shoah? Il était dans un camp. Et on entendait déjà les canons des Russes. On savait que dans quelques heures, le camp allait être libéré. Les nazis ont sorti les juifs, leur ont dit, écoutez, voilà, la guerre est finie, on ne va pas vous laisser comme ça. Prenez des ciseaux et coupez vos barbes. Il y avait une barbe. Le grand-père Srebrenik s'est dit comme ça. D'après la Torah, on doit se faire tuer que si on nous demande de transgresser trois choses. Ou l'adultère, donc toutes les intentions sexuelles, ou tuer un autre, assassinat, ou l'idolâtrie. Mais il y a des cas où même pour une coutume juive, il faut se donner la mort. C'est quoi Gzerat Shmad? C'est un décret d'anéantissement de la religion du peuple juif. Pourquoi les nazis maintenant ils veulent que je coupe la barbe? Ils veulent se battre contre la Torah. C'est contre la Torah. C'est pas obligatoire la barbe, c'est une coutume, c'est tout. Après la Torah, c'est interdit. Il leur a dit non. Alors, ils l'ont tué en tirant sa barbe avec les bottes. Il est mort comme ça. Shalom Serbernick s'est dit, je fais maintenant moi la queue pour acheter du porc. Alors que mon grand-père est mort pour ne pas déchirer sa barbe. Ça ne tient pas la route. Il a fait tchouva. Si maintenant, le père montre à son gosse un exemple, que il y a une chose que c'est fini, là, on ne parle plus. C'est un autre registre. Dieu, la Torah, on ne touche pas. C'est Kadosh. Le gosse, il voit ça. C'est mieux que tous les discours. Il ne peut pas demain aller transgresser la Torah. Il ne peut pas. Bon, il y en a qui, oui. Mais tu comprends que tu as limité la casse. Tout ce que je parle maintenant, c'est en général. Tu as toujours un fils de non-religieux qui a fait tchouva et qui est un bon religieux. Tu as toujours un type nickel religieux. Son fils est sorti dans les choux. Tu as toujours des exceptions. Mais c'est normal que de façon naturelle, lorsque tu éduques avec un exemple intelligent, authentique, avec un contenu cohérent, ça passe beaucoup mieux que quand tu donnes un contenu qui est complètement tronqué. C'est la réponse qu'il faut leur donner. Quand toi, tu fais ton moitié-moitié, chez ton gosse, ça ne tiendra pas. Ou, moitié tes gosses, oui, tu vois, ça va transformer beaucoup de gens qui sont ici, des balais de chouva, tu vois. Mais l'autre, il est avec Christine. Pourquoi? C'est les parents. Les parents, t'es moitié-moitié. Alors, ou le moitié-moitié, sort que les enfants, ils font chacun un quart. Ou il sort qu'un gosse est dedans, mais l'autre, il est complètement dehors. Dieu est juste. Tu veux être avec moi? Ok. Alors, sois avec moi. Avec moi, ça veut dire au-dessus. Au-dessus du temps. On est éternel. Donc le temps, il te dit, écoute mon vieux, sois comme les autres. Tu leur dis, non, je suis avec. Je suis au-dessus du temps. Éternel. Alors, que doit faire un de ces pauvres juifs qui est déjà éteint? D'abord, comprendre ce que je dis. Il faut développer l'amour. Ressusciter la flamme. Comment l'amour? Commencer un peu à prier à Dieu. C'est une chose qui est belle, qui est dure. Je dis, on parle de résurrection des morts, d'accord? De refaire refleurir un bois sec. Prier, parce que c'est dans le reggae, c'est dans le sentiment. Et puis, tifil limoud, rentrer dans l'étude, parce que la Torah, elle est belle. Elle est belle. Quand on l'étudie avec intérêt, elle devient très intéressante. Elle touche l'âme, c'est kadosh. Il y a Midrash qui dit que Dieu dit, si seulement mon peuple au moins arrêtait de pratiquer ma Torah, mais au moins l'étudiait. Shama Or Shebab, la lumière que contient les ramènerait vers la bonne voie. La Torah, elle sanctifie. Il faut étudier dans une intention
de sanctifier. Si tu l'étudies comme ça, avec tous les péchés, c'est marqué « Samhamavet ». L'exir de mort, c'est un poison. C'est exactement ce dont je parle. Ces pauvres jeunes hommes qui sont le soir avec les filles et le matin à leur 2 heures de Gemara. Ou ici, à Gemara, après Ben Yehuda. Poison. Poison. Au bout d'un moment, il n'a plus envie d'étudier, ça n'intéresse pas. Il devient imperméable. Quoi, la Torah de Dieu, tu es imperméable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu deviens... Qu'est-ce qui se passe? La Torah de Dieu, elle doit rentrer. C'est une lumière, Kadosh. Samhamavet. Élixir de mort. C'est de l'uranium. Quand tu utilises l'uranium bien comme il faut, ça fait énergie nucléaire. Fantastique, tu peux faire vivre un pays entier. Quand tu ne sais pas, c'est devenir radioactif et ça te pète dans les doigts. Rayon gamma. Ça te tue, ça te tue. Tu deviens allergique. Tu sais combien des fois des gens, c'est toujours pour te faire comme ça, ouvrir. Ils ne peuvent pas être allergiques. Tout, mais pas ça. Comment ça, c'est la Torah de Dieu. Quand tu ne le prends pas comme il faut, tu n'as pas dans l'intention de sanctifier, tu n'essaies pas de réveiller l'amour, tu vis avec ton temps, ça ne marche pas. Dieu et ton temps, ça ne marche pas ensemble. En cela, on est Am Israël, un peuple éternel, parce qu'on est hors du temps. On est branché avec Yud Kevavke, celui qui était et sera. C'est le mot mitzvah. Mitzvah, c'est quoi? C'est le mot tzavta. Tzavta signifie équipe, union. Quand tu fais une mitzvah, tu t'unis à l'éternité. Tu fais un acte qui est éternel. Mais, en faisant un acte éternel, forcément, ça nécessite de te dégager du monde qui passe, du monde temporel. Pas voir les deux à la fois. C'est tout simplement pas juif. Impossible. Ça rentre pas dans la Torah. Être à la fois avec son monde et avec la Torah. Alors, je dis pas qu'il faut rentrer dans le ghetto et tout ça. Non. Mais, savoir, je suis différent et je vis différemment. En Amérique, c'est extraordinaire. Tu as beaucoup de gens qui sont des orthodoxes, qui sont des hommes d'affaires fameux, très bien. Ils sont pas, ils vivent orthodoxes de façon tout à fait, sans aucun problème, sans aucune concession. Aucune. Ça marche. Pas obligé d'aller dans le ghetto et t'enfermer et terminer. Ok, messieurs. Question, quelque chose? Bah, ou Radona, la main, à main, à main.